a installé le mât avec une caméra qui est en haut du mât que je vais pouvoir commander avec mon ordinateur et je vais donc pouvoir filmer la séance attaquant derrière le but. Je m'appelle Sébastien Grillon, je suis analyste vidéo pour l'équipe professionnelle et je suis au club depuis 2 ans et demi, depuis l'été 2019. Je peux dire que j'ai toujours baigné dans le football parce que mon père a été président de club, secrétaire de club amateur. J'ai toujours vécu toute la semaine à être au foot. J'ai été contacté par l'US Orléans, qui montait en Ligue 2 à l'époque, qui cherchait un analyste vidéo. Donc j'ai découvert le métier à ce moment-là. Et ensuite, j'ai postulé au Clermont Foot et j'ai été retenu. Voilà, comme ça, on va jusqu'à la trêve internationale. Lille, c'est déjà prêt. Donc aujourd'hui, on commence sur Lorient. Théo, la partie collective, quand est-ce que tu penses avoir terminé? Quentin et CPA, aujourd'hui ou lundi peut-être? Non, non, aujourd'hui j'aurais pas fini, je pense. Moi, les datas, je les aurais finies ce soir. Donc là-dessus, on sera bon. Ensuite, les indives. Les indives, vous les commencez mercredi, je pense. Cette année, j'ai 2 stagiaires sur lesquels je peux beaucoup compté et à nous trois on prépare un montage collectif sur les futurs adversaires, des montages individuels, des montages sur les coups de pied arrêtés, une analyse des datas sur l'adversaire, tout ça pour donner un maximum d'informations au coach par rapport à ses attentes pour préparer le match de la meilleure des façons. Bon, vas-y, les devs, tu veux les faire? Ouais. Allez, tac. Je fais les traductions en anglais. Couloir droit. Ils mettent beaucoup de pression, les deux relayeurs, tu regarderas. Mmh. Autant les excentrés, ils orientent sur les lignes de passe. Autant les relayeurs, ils cadrent fort. Ça passe en 4-4-2 fin de match, Montpellier. À 70e à peu près. En termes d'outils, on utilise un logiciel qui est utilisé par tout le monde en France, en tout cas en Ligue 1. Après, c'est dans notre manière de travailler où je pense qu'on peut différer d'autres clubs parce que toutes nos analyses, même sur l'adversaire, vont être orientées par notre projet de jeu, notre vision du jeu. Ça nous donne un angle différent dans l'observation et l'analyse des adversaires. Est-ce qu'on sent vraiment des options de jeu derrière ce qu'il nous met ? Donc Stéphane Hérault, je suis un des adjoints de Pascal Gatien et moi je suis plus en charge de tout ce qui est on appelle ça analyse de la performance, mais c'est en fait analyse du jeu. Qu'est-ce qui vous semble aller, qu'est-ce qui vous semble être moins relatif à ce qu'on pourrait appeler un projet de jeu? Je suis enseignant à l'UFR STAPS ici et moi je m'occupe plus particulièrement d'une option football dans le cadre d'un parcours qu'on appelle entraînement sportif et où j'ai une 50aine d'étudiants sur 2 années. Voilà, donc je donne des cours à l'UFR, c'est mon métier principal d'ailleurs. Quelle différence tu fais, toi, dans ton approche là, entre principe de jeu et comportement collectif ou comportement individuel? Moi, j'avais amorcé une recherche
sur les transitions défensives. J'avais démarré au départ avec l'équipe de France des 19 ans, avec la Fédé. Et puis, petit à petit, alors on s'est rencontré avec Pascal Gassien, par l'intermédiaire de Corinne Diacre. Et puis Pascal était intéressé par les transitions défensives. On a discuté de tout ça et effectivement, il m'a proposé de venir travailler au sein du staff pour faire ma recherche. Et puis, quand j'ai eu terminé ce qu'on appelle les matériaux avec les joueurs, etc., le coach m'a demandé de poursuivre et de rester au sein du staff. Donc au début, je me suis occupé que des transitions défensives. Et puis petit à petit, ça s'est déployé un petit peu sur les autres phases. Donc maintenant, je m'occupe de l'ensemble des phases de jeu pour apporter cet éclairage-là au coach. J'ai eu les juniors Gambardella au Clermont Foot il y a plus de 20 ans. Et voilà, j'ai entraîné sur des niveaux honneur, aussi un peu en National 3. Et puis beaucoup avec la sélection universitaire où j'avais des joueurs de National 3, National 2, beaucoup de joueurs du centre de formation de Clermont. Allez, allez, presse, presse, presse. Très bien. 1, 2, 3, 4, 1. Prends un ballon ici, on joue ça de côté, c'est qui a perdu. Prends le ballon. 5, vous êtes libre, changez, okay. Quand vous pouvez. Bien. Le projet de jeu initial, c'est quoi? Parce que l'on est sur l'attaque placée, c'est quoi le projet de jeu initial? Il y avait deux options de jeu, sur deux attaques placées différentes, c'était ça? Par rapport à ça, quel est le problème que tu as détecté, que vous avez détecté en séquençant le match? Quel est le problème de l'équipe? J'écris sur ma thèse, sur les transitions défensives, je donne mes cours ici, et puis après, sur le temps qui me reste, je suis sur certains entraînements et puis sur tous les déplacements et sur tous les matchs. Obviously, Lille is a really good team, and we knew that. I think that we went there and tried to play our game. From there we had to chase, and to chase against a team like that away from home, it's not really easy. Au début de deuxième mi-temps, on sentait qu'on avait réussi à reprendre un peu d'allant, ils n'avaient plus trop de situations, et voilà, c'est vraiment le rouge qui fait basculer le match. Mais après voilà, on sentait qu'on n'avait pas énormément d'occasions non plus, qu'ils étaient plutôt en gestion, en maîtrise, donc voilà, c'était un match de Ligue 1. Monaco, j'ai ressenti un peu le même feeling où on a l'impression qu'on n'est pas loin, même si on sent que c'est une très bonne équipe en face. Et puis à un moment donné, on sent que ça bascule et on sentait que le match il n'allait pas basculer en notre faveur. Alors à Monaco, c'était on prend le but avant la mi-temps. Là, ça a été aussi le carton rouge, je pense, qui a fait la différence. Et après, ça s'est enchaîné. Ouais, c'était un match à la limite de, ouais, comme je dis, c'était un peu frustrant, mais aussi voilà, on a reconnu qu'on avait rencontré une grande équipe. Thank you.
regarde essentiellement si les principes de jeu du coach sur chacune des phases, en fonction des situations d'entraînement, sont respectés. Ça me permet aussi d'avoir un avis sur sur le comportement des joueurs par rapport au match qui va arriver. Et puis, on peut aussi reparler avec le coach du type de situation qu'il a mis en place, de combien de fois les situations qu'il voulait voir arriver se sont produites et comment les joueurs ont réagi. J'ai rien vu. C'est safe. Chaque mercredi matin, je viens au vestiaire pour mettre la partie défensive du montage de l'adversaire pour que les joueurs puissent déjà la visionner et s'imprégner de ce que l'adversaire fait sur le plan défensif. Et chaque jeudi matin, je viens pour remettre la partie offensive. Donc ça dure environ 4 minutes chacune en général. Et ça sera l'essentiel des images qui feront partie du montage vidéo qui sera diffusé dimanche matin. C'est parti. Donc Lorient, il jouait ce dernièrement en système avec 4 défenseurs, au milieu dans la défense, 4 milieux et un attaquant. Sauf s'il y a eu un changement pendant l'échauffement. Il n'y a pas l'orienté là. Si, il y a l'orienté. C'est Mofi. Ah si, Mofi est là. Ils vont jouer à deux attaques. Le fait, Boga. Ça sent le 4-4-2 ça. Petrou, il était là. Ouais, on va faire 4-4-2. C'est quoi? Qui c'est qui était pas là? Innocent? Hein? C'était Innocent, il était. Ils ont pris la mauvaise, à mon avis. Et Petro. Petro était remplaçant. Non, il y a un latéral qui n'y a pas, il joue à 3. Ils n'ont pas rechangé. Ouais. Ils n'ont pas la bonne normalement. Il y a une erreur de compo de match qui a été distribuée une heure avant. Ensuite, il y a eu une deuxième compo. Et donc on a eu la deuxième compo, mais à l'écran, lorsque le speaker a présenté les équipes, c'était encore la première compo, donc ça nous a mis un petit doute, mais qui s'est vite effacé lorsqu'on a vu les joueurs entrer sur le terrain. On avait retrouvé la bonne compo.
pendant le match et après le match, on a également un rôle d'analyse de notre performance pour pouvoir communiquer avec le coach ou avec le staff, l'adjoint sur le banc Manolo, pour lui transmettre des informations avec notre vision en tribune en hauteur. Quand je dis nous, je parle de Stéphane, Héro et moi-même, par notre analyse en direct, on peut transmettre des informations pour éventuellement aider le coach à prendre des décisions. Alors, je connais le projet de jeu, bien évidemment. Je connais le plan de jeu en fonction des adversaires qu'on rencontre. Et l'idée par rapport à ça, c'est de renseigner les gens qui sont sur le banc, donc le coach, Manolo, Eric, etc., sur ce que j'observe, de manière à leur donner des indications et voir un petit peu à la fois comment se comporte l'adversaire, comment on se comporte par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. Et donc, j'analyse. Et je communique en permanence avec eux, avec un casque. Moi, je suis en tribune pour être en hauteur et regarder un petit peu ce qui se passe, pas simplement à proximité du ballon, mais dans les espaces également un peu plus éloignés. Et je leur fais part un petit peu de mes remarques. Mano ? Ouais, donc Jazz referme plus vite quand Johan Kassia part sur le côté là-bas. Ça a joué dans son dos, ouais. On est bien. 40% de retour attaque placée, 40% de perte. 40% de perte en fonction. Comment ? 40% de perte. Au total et 40% d'attaque placée. Il s'appuie sur nos données principalement et sur sa vision globale du match, alors que nous on est focalisé sur chacun une partie. Une thématique du match. Moi, en direct, ça me permet effectivement de pouvoir donner des informations un petit peu plus précises en les étayant avec des chiffres. C'est vraiment un travail d'équipe et chacun a son rôle à jouer. L'idée, c'est d'avoir une lisibilité, d'évaluer où on en est de la tenue de notre projet de jeu par rapport à ce que fait l'adversaire, par rapport à nos forces et nos faiblesses du jour. Donc on essaye toujours effectivement d'être en lien avec ce projet de jeu et ce plan de jeu par rapport au match qui est en train de se dérouler. À la mi-temps, je descends avec ma prise de notes et on s'est mis d'accord avec Pascal sur une trame et je lui donne trois grands points qui me semblent être importants et devoir être pris en compte pour effectuer des régulations à la mi-temps. On apporte des éléments et puis après, c'est le coach qui lui fait ses choix, qui ressent aussi le match à sa façon. Puis encore une fois, le foot, c'est pas une science exacte. On essaye effectivement d'apporter une forme de lisibilité, de rationalité dans tout ça, mais ça reste un jeu. They came with a mission and they did real well. They were patient. They were defending real good and waiting for their chances, and they scored the goals that's all that counts. So they did their job. C'était une occasion vraiment manquée parce qu'ils étaient barragistes à ce moment-là. On avait l'occasion de prendre 7 points d'avance. On a pris le match vraiment par le bon bout, avec des occasions, du mouvement. Voilà, il nous a manqué ce but. Et après, plus le match avançait, voilà, on sentait que peut-être on n'allait pas marquer. Peut-être l'expérience qui nous manque un peu, peut-être garder un 0-0 et qui aurait été au final un bon résultat, un meilleur résultat pour nous que pour eux.
Farid. Ça vaut quoi? Bien. Ça va? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça passe. Ouais, ça se passe, ça se passe. Et toi, ça va? Ouais. Tranquille. Là, on suit les travaux, ils sont en train de refaire. Ah ouais? Bien. Ouais. Ça a changé, hein? Ouais, c'est... Ouais, c'était plus comme avant. Ouais. C'était la bonne époque avant. Ouais, tu sais. Pour toi, ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe. Là, tu reviens en arrière. On est à la salle de boxe, à Croix de Néra, où j'ai commencé mes débuts, on va dire amateur. Et c'est beaucoup de souvenirs. C'est bon, je l'ai, ouais. Ouais. Il arrive à l'âge de 12-13 ans, et donc on a commencé à la former à la boxe anglaise. Elle avait ses frères, vu qu'elle est issue du milieu familial, qui c'est vraiment des sportifs. Il y a son cousin qui était, comme je vous l'ai dit, champion de France professionnel à l'ASM, Mohamed Kamal. Et puis ensuite, je me suis occupé d'elle. J'ai vu qu'elle était vraiment très talentueuse dans la boxe. C'est vous et vous-même. Et les efforts que vous faites à l'entraînement, c'est ce qui va déterminer ce que vous allez faire sur le ring. Vous êtes tout seul face à vous-même. Après, à côté, moi, je ne savais pas qu'elle était aussi talentueuse dans le foot. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, on a fait pas mal de combats. Elle a fait 100% de réussite au niveau de ses combats. Elle a tout remporté et arrivé un moment, on s'est mis d'accord en fait parce que le foot lui manquait vu qu'elle avait connu ça depuis tout petite, avant même la boxe. Quand je jouais au City, j'aimais dribbler et jouer très longtemps, très tard. Des fois, ma mère, elle envoyait mes frères pour venir me chercher. Ou sinon, mes tantes, quand elles passaient, je partais me cacher derrière les arbres pour pas qu'elles me voient. Et une fois qu'elles étaient parties, je retournais au City. Je prenais beaucoup de plaisir à dribbler. C'était... un moyen pour moi d'éliminer les plus grands, parce qu'à l'époque je jouais avec les plus grands, les 93, ils étaient imposants, ils étaient grands, rapides, et la seule manière que j'ai trouvé c'était de les dribbler. On s'est mis d'accord, moi après comme je lui avais dit, j'ai toujours été là pour elle, voilà, je voulais respecter ses choix, tout ça. Donc ensuite elle est partie signer au Clermont Foot. Ce jour-là, le Clermont ils avaient organisé une journée de foot, j'ai ramené mes neveux pour y participer. Ensuite, les membres du Clermont sont venus à moi pour me dire de participer. Ensuite, ça s'est fait tout naturellement, j'ai joué. Et à la fin de cet événement, un membre du Clermont Foot est venu à moi encore pour venir me demander mon âge, se renseigner un peu sur moi, si je jouais dans un club. Et à la suite de ça, il m'a donné le contact de Yvan Charvia pour que je le contacte. Mais un an après, c'est qu'un an après que je l'ai contacté parce que ça ne me disait rien de jouer en club. Je l'ai accompagné sur ses premiers entraînements, elle s'est installée là-bas, ça s'est super bien passé avec son président. Parce qu'au niveau du staff technique là-bas, elle a un président voilà, en or, elle a un entraîneur franchement exceptionnel. Alors elle a été repérée il y a 5 ans. 5 ans c'est beaucoup, mais à la fois elle a mis plusieurs saisons à se mettre dans le cadre du Clermont Foot. Avec beaucoup d'absences injustifiées, avec des séances, des retards, où ça a été très compliqué de respecter le cadre. La rigueur, elle était compliquée à trouver. De sortir du City, venir dans mon premier club, d'avoir des horaires, d'être régulier, d'être sur un terrain, je ne comprenais rien. C'était très dur. Mais elle s'y est mise. Et elle a été très bien intégrée par les autres. Et je pense que les autres joueuses ont eu un vrai rôle à jouer dans son intégration. Et c'est une fille aujourd'hui qui est irréprochable sur le cadre qu'on peut imposer à des filles de l'équipe 1 des seniors. C'est très très cohérent. C'est une fille qui est en activité au club, qui est la meilleure buteuse du groupe 1, donc voilà, ça prend très vite. C'est une joueuse qui doit viser le niveau national. C'est clairement une joueuse qui doit viser le niveau national. Je pense qu'une des deux aujourd'hui, c'est très cohérent. Alors elle a encore beaucoup à apprendre parce que le niveau national c'est tactiquement beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus d'exigence et on sait que c'est malgré tout encore son défaut. Mais par ses qualités, oui, clairement elle doit viser un niveau national
Donc c'est mettre ses qualités, cette insouciance, plus le cadre qu'on essaie de lui imposer pour sa progression. Et oui, elle doit viser un niveau national dans les années à venir. Good start of the game and we score the leading goal. Ouais, on prend le match par le bon bout, on marque sur une de nos premières situations. Juste après, on a 2-3 situations de contre avec Lucas, on a une occasion, ils reviennent au dernier moment et c'est vrai qu'on avait bien démarré le match. And from there, I'm not really sure what happened. We did a couple of mistakes as a team and again, you get punished at this level. On a crié, même sur la vidéo, ça se voyait. Il y avait Hakim, il y avait Cédric, il y avait moi qui, au départ, je me disais attention dans ton dos, il est dans ton dos. Mais vu que les supporters sont juste derrière lui, tu sais, il ne peut pas voir parce qu'il a vu. Mais après, ce toka, il a été malade. Avec les supporters comme ça, tu ne peux pas communiquer avec tes coéquipiers. S'il a un mètre de toi, c'est mort. Tu lui parles, il ne va rien entendre. Les matchs comme ça, faut être vigilant, faut être concentré, faut être prêt dans ces matchs comme ça parce que les supporters ils crient fort, tu n'entends rien. Donc les matchs comme ça, c'est d'être concentré, c'est d'être prêt, c'est d'être vigilant. Sinon, ça ne marche pas avec les communications. On avait déjà connu une belle ambiance en Ligue 2. Après là, c'était vraiment quelque chose. Ils étaient tous aux couleurs de leur équipe, tous avec des écharpes, tous à chanter. Ce qui explique aussi qu'on s'entendait pas beaucoup et ce qui explique un peu aussi l'erreur sur le deuxième but parce qu'on communiquait mais on s'entendait pas. Et ouais, ça fait partie, avec Marseille, ça fait partie des deux plus grosses ambiances moi que j'ai faites en Ligue 1. On est dominé peut-être dans le jeu, sur le match, on mérite peut-être de perdre, mais les buts, ils sont quand même évitables. On prend deux buts sur coup de pied arrêté. Et voilà, une erreur de Houparine, malheureusement. Mais on laisse encore échapper ce match, alors que d'autres équipes plus aguerries de Ligue 1 qui jouent le maintien, je pense, l'auraient pas laissé filer. Donc voilà, c'est notre marge de progression encore. Qui s'appelle Art de l'Islam, un passé pour un présent. Avec Ahmed et Yannick, on pense qu'un club de foot, c'est bien évidemment une machine à produire du résultat sportif, qu'on espère bien sûr toujours le meilleur possible. On doit former des jeunes, on doit avoir une ambition sportive, éducative, de formation. Mais on est convaincus tous les trois qu'un club de foot, ça a une responsabilité sociale et sociétale. Il y a la dimension sportive, la dimension éducative et la dimension de citoyen.
Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de double projet au centre de formation, on parle de triple projet avec cette dimension citoyenne et qui est justement elle aussi porteuse de valeur, en tout cas elle doit l'être. Tous ces gens, depuis très longtemps, se sont déplacés, du coup se sont influencés les uns les autres, d'accord, parce qu'ils ont voyagé, et c'est ce que montrent finalement ces œuvres d'art en fait. D'abord, je suis convaincu que le football fait partie de la culture. Il y a énormément d'œuvres d'art, de chansons qui sont liées au football. Deuxièmement, le football est un élément culturel. Qui oserait prétendre que autour de Boca Juniors ou autour de Manchester United ou autour d'autres clubs, il n'y a pas une dimension culturelle, dans le sens culturel collectif. Et donc, il était tout à fait normal que l'on s'associe, je dirais, au musée. Coopération qui commence avec cette exposition sur l'art de l'islam et qui continuera à l'avenir avec des soirées réservées à nos abonnés et à nos entreprises partenaires, mais aussi à nos jeunes licenciés. We have harder moments, and now we just have to look forward. We don't really have time to look back. On a notre destin entre nos mains. On a 9 matchs. On a beaucoup de matchs qui vont être largement jouables à notre portée pour gagner des points. On peut perdre tous les matchs, on peut gagner tous les matchs. On l'a bien vu. C'est à nous de faire les choses maintenant dans ce sprint final. Moi, j'ai confiance à mes joueurs. Il y a Cédric qui est blessé. Et voilà, on va tout donner pour lui. On va lui montrer qu'on est là pour lui. On est tous là pour le maintien. On va tout donner jusqu'au bout.